Alors, dernière question. Hein. Oui. J'ai cru apprendre hier que vous êtes chirurgien. Oui. Spécialiste. Vous n'êtes pas médecin généraliste quand même. J'ai bac plus 10. Hein. D'abord, j'ai 40 ans d'expérience. Un chirurgien a oui. quoi à faire dans la prise en charge des personnes infectées par le VIH? Mais, d'abord, est-ce que un pédiatre ne peut pas prendre un enfant qui souffre de VIH? Est-ce qu'un gynécologue ne peut pas suivre une femme en état qui est infectée de VIH? Est-ce qu'un chirurgien ne doit se limiter qu'à opérer? Non. Je suis d'abord généraliste avant d'être chirurgien. Je me réserve de revenir sur les questions posées hier. Je vous remercie, monsieur le président. Merci. Monsieur le président, avec votre permission, il y a des choses qui ont été dites qui méritent d'être précisées. Bon, on parle du colonel Moussa Kegboro. On vous dit, est-ce qu'il disposait d'une baguette magique lui permettant de donner des ordres partout? Je ne sais pas si vous avez suivi ces procès depuis le début, mais je vais vous donner lecture avec la permission, bien entendu, de monsieur le président. Oui. Du procès verbal d'interrogatoire du colonel Moussa Kegboro. Oui. Voilà. En sa page 5. Oui. Non, page 3, disons. Oui. Alors, il a dit ceci. J'ai rappelé, monsieur Sidi Touré, que c'est devant, c'est lui qui parle ainsi, hein, que oui. c'est devant moi qu'il a été appelé pour lui demander un report de cette marche en la mesure où le 28 septembre est une date historique de notre pays et que pour la même raison, le gouverneur de la ville de Conakry, le ministre de l'administration du territoire, s'était opposé. Mieux, même les religieux se sont impliqués dans les négociations pour parvenir à un report. Oui. Sur ce, Sidi Touré m'a répondu oui. qu'il n'était pas là pour changer une date, oui. mais qu'ils avaient une adresse à l'endroit de leurs militants pour exprimer leur point de vue sur la candidature du président Dadis. Lorsque cela s'est passé, étiez-vous avec M. Sidi Touré, oui ou non? Non, je n'étais pas avec lui. Ok, je continue. Prenant la parole, Elaz Selouda Lengalo a fait part de l'arrestation de certains de leurs militants. Déjà, ayant compris que leur objectif n'était pas la casse, nous avons continué les discussions qui ont abouti à la conclusion suivante. Il m'a été demandé de faire en sorte que tous les militants mis aux arrêts soient libérés aussitôt. En contrepartie, de s'engager au report de la marche, c'est ainsi que j'ai donné l'ordre de libérer certains militants qui se trouvaient dans des pick-up des policiers et ce, malgré les dispositions de la loi anti-casse. J'ai pris donc mes responsabilités dans un souci d'apaisement pour éviter tout problème. Alors, vous comprenez à travers cette lecture que des policiers avaient procédé à des arrestations de certains de vos militants et qui se trouvaient dans des pick-up. Alors, des pick-up, hein, des policiers, M. Kegboro a donné des instructions allant dans le sens de leur libération et ils furent libérés. Est-ce que Kegboro était le chef de ces policiers pour qu'il leur donne des ordres? Il était leur chef? Si cela est exact. C'est lui qui le dit, c'est lui-même. Ça, ce sont des aveux, c'est lui-même qui le dit. Voilà. Oui, si c'est le cas. Je ne peux pas douter de la moralité
de qui que ce soit, je pense qu'une fois qu'on est leader, on doit être exemplaire en tout et surtout dire que la vérité. Est-ce que, voilà, en donnant des... Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Ok, monsieur le président. Donc, si le président, à l'époque, François Lucien Fall, a tenu ce langage et ce discours ou ce récit, c'est qu'il a effectivement vécu ça et c'est vrai. Je pense qu'il ne peut pas dire de contre-vérité. Et si cela est, une fois de plus, ça prouve qu'un officier de haut rang peut donner des ordres dans certaines conditions à quelque corps que ce soit, pourvu que ce soit le corps du même pays. Écoutez, on vous a dit ici que M. Kibro ne pouvait pas donner des ordres à tout le monde. Et il se trouve que les policiers dont il est question ne relèvent pas de son autorité. Il leur a donné des instructions et ils lui ont obéi. Voilà, une fois de plus. Voilà. Est-ce qu'en agissant ainsi, ça ne confirme pas que M. Kibro pouvait donner des ordres pour sauver la vie de votre épouse? Mais il n'a pas été jusqu'au bout. Il pouvait très bien, bel et bien, le faire. C'est ce que je veux vous faire savoir. Voilà. Je continue. Je ne sais pas si vous remarquez, oui, depuis que vous êtes là, à chaque fois que le président appelle cette affaire, oui, et en parlant des parties civiles, oui, il parle d'AVIPA. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il parle d'AVIPA, il parle de l'EGDH. Mm-hmm. Vous l'avez observé, oui ou non? Oui, j'ai très remarqué. Bien. Très bien. Oui. Est-ce que vous savez que votre épouse, vous avez pu à produire des pièces ici, oui, que votre épouse est membre de cette association? Oui, les femmes. Et permettez-moi, vous avez eu à produire un document, oui, appelé livret individuel, oui, où votre épouse est considérée, oui, être membre, oui, et sous le numéro 309. Oui. Et hier, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, oui, j'ai eu, voilà, à relever parmi les pièces du dossier, oui, l'existence d'une convocation. Vous avez demandé la date. Si vous avez bonne souvenance, oui, la convocation en date du 11 juin 2010. Oui. Cette convocation est délivrée, oui, à l'adresse de, oui, votre épouse. Oui. Et c'était sous le couvert, oui, de son conseil, oui, et du président de l'AVIPA. Il a écrit ceci, Maître Almami Traoré, oui, avocat à la cour, oui, et Monsieur Ibrahima Bari, président AVIPA. Oui. Alors, question, puisque cette convocation a été délivrée par le pool des juges d'instruction, oui, n'est-ce pas votre épouse, oui, alors n'est pas une personne étrangère dans ce dossier, elle est déjà connue comme faisant partie des victimes dont l'AVIPA est en charge des intérêts? Absolument pas. D'abord, la preuve... Absolument. Elle n'a pas répondu. Premièrement, parce qu'à l'époque, elle était très traumatisée. Et je peux vous dire que quand... Est-ce que vous avez compris ma question? Oui, j'ai bien compris. Laisse-moi aller au bout de ma réponse. Ma femme, après les événements du 28 septembre 2009, jusqu'à son départ pour la France, elle était traumatisée. Et jusqu'à présent, elle le reste. Alors, quand la convocation est arrivée, elle ne pouvait pas répondre parce que encore les blessures étaient encore lourdes. Elle a répondu déjà à des ONG. Elle revenait chaque fois avec les mêmes traumatismes et ne pouvait pas répondre. Et après, c'est dans ma maison que Mme Asmaou Diallo a été confirmée présidente de l'AVIPA à la place de M. Ibrahima Bari. Ma femme est bel et bien victime et jusqu'au moment où je vous parle, elle n'a bénéficié d'aucun rond et moralement, nous n'avons intérêt de toucher à quoi que ce soit. Je,
je voudrais vous dire que votre femme, à travers cette convocation, est connue dans ces dossiers comme faisant partie des victimes. Et prise en charge par l'AVIPA, oui ou non? C'est vous qui avez produit ça, hein? Mais quelle est cela? Et que l'AVIPA la prenne en charge. Il y a la présidente de l'AVIPA ici, vous pouvez demander si elle est prise en charge. Non. Elle a bénéficié du statut de réfugié en France. Quand je parle de la prise en charge, il s'agit de la prise en charge des intérêts civils. Voilà, allons-y. Donc, allez-y. Vous avez clairement. Compris? Voilà, donc allons-y clairement. Non, mais moi je suis clair. Est-ce que dans ces conditions, vous comprenez que votre épouse, à travers l'AVIPA, alors, n'est pas une étrangère à cette procédure, elle est déjà connue depuis le cabinet d'instruction comme faisant partie des victimes. Très bien, exactement, c'est ça. Oui ou non? Oui ou non, vous dites oui. Très bien, donc voilà. Elle fait bel et bien partie des victimes. Affirmatif. Très bien. Oui. Donc, lorsqu'on vous dit que votre épouse n'est pas victime, qu'elle n'est pas partie civile, alors qu'elle est déjà connue dans cette procédure depuis le cabinet d'instruction, qu'est-ce que vous répondez? Je réponds donc que c'est la mauvaise foi. Très bien. Voilà, c'est tout. C'est ce que je voudrais que vous releviez. Je continue. Oui. Alors, il se trouve que on vous a réitéré ici que certains accusés dans le box, alors, et s'est revenu au stade sans les instructions du capitaine Dadis. Mais vous-même, vous avez réagi en disant que devant vous, M. Keboro a dit qu'il a été envoyé par le président Dadis. Vous le confirmez, oui ou non? Je le confirme et je le maintiens. Très bien. Est-ce que vous savez que, et bien avant vous, M. Claude Pivi, qui est dans le box, a, dans son procès verbal dressé sur commission rogatoire, a déclaré la même chose en disant que Claude Pivi, que Keboro est venu au stade sur instruction du président Dadis. Est-ce que vous le savez? Je viens de l'apprendre. Très bien, je vous l'apprends, il l'a dit, c'est une pièce acquise au débat. Oui. Vous connaissez M. Moussa Keïta? Quel Moussa Keïta? Moussa Keïta, secrétaire permanent du CNDD au moment des faits. Je l'ai vu quand il a été nommé à la place de l'actuel ministre de la Défense comme le représentant du CNDD au niveau de l'Assemblée. Est-ce que vous savez que celui-ci aussi déclare dans sa déposition, si vous ne le savez pas, je vous le fais savoir, que M. Keboro s'est rendu au stade sur les instructions du même Dadis, du président Dadis. Est-ce que vous le savez? Ça ne me surprend pas. Très bien. Alors, dans ces conditions, si M. Moussa Keboro s'est trouvé sur les lieux et que des gendarmes qui était sous son autorité soit parvenu à se rendre coupable des infractions. On a vu des photos. Il y a la femme qui a été malmenée dont la photo circulaire, elle a comparu ici. Est-ce que dans ces conditions, le président Dadis peut être étranger par rapport à ces infractions commises sur ses instructions? Il porte en tout cas la responsabilité morale et à démontrer qui a donné ordre, il faut y aller. S'il a la responsabilité morale, avec ce massacre, personne ne peut l'épargner de ses responsabilités. Il faut qu'il prenne son courage à deux bras, et parce qu'il a été le père de la nation à un moment. Il faut qu'il prenne son courage à bras le corps, parce que c'était un militaire vraiment que tout le monde a apprécié, qu'ils disent ce qui est arrivé. Le peuple de Guinée n'est pas un peuple revanchard. Je vous dis une fois de plus, nous voulons que la vérité, on est prêt à pardonner pour que les victimes soient dédommagées, parce qu'on ne pourra plus réveiller ceux qui sont morts. Mais qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le président
de la République à l'époque, le chef de l'État, chef des armées, c'était le capitaine Moussa Dadis Camara. Et c'est en son temps qu'il y a eu ce massacre. C'est sa responsabilité entière.